Huile de coco, une huile santé. L'huile de coco, un concentré d'acide gras saturé. Issue de la noix de coco, cette huile est composée à 100 de lipides, mais pas n'importe lesquels, ce sont majoritairement des acides gras saturés, longtemps accusés d'être les pires lipides qui soient pour notre santé. Cette accusation est tempérée par certains et dans tous les cas, nous avons besoin de tous les types d'acides gras qui existent, l'important étant de diversifier et de proscrire les excès dans un sens ou dans un autre. Toujours est-il que les acides gras saturés de l'huile de coco ont la particularité d'être essentiellement des triglycérides à chaîne moyenne, ce qui les différencierait des acides gras apportés par la viande et autres produits animaux, et qui serait plus avantageux pour la santé, car plus facilement métabolisé et stable à la cuisson que les triglycérides à chaîne longue. De ce fait, les acides gras de l'huile de coco ne seraient pas associés au risque cardiovasculaire, certaines études portant sur des populations particulières utilisant comme matière grasse quasi exclusivement l'huile de noix de coco comme les habitants de Kitawa, une petite île du Pacifique sud près de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, montrant davantage un effet protecteur contre les maladies cardiovasculaires et les cancers. Cela dit, s'appuyant sur cette étude clinique, l'Association américaine de cardiologie, AA, n'observe pas d'effet positif, mais une augmentation du niveau de cholestérol LDL, le mauvais cholestérol, équivalente à celle obtenue avec une consommation de beurre ou d'huile de palme, ce qui amène les scientifiques à recommander aux consommateurs de se tourner vers d'autres huiles végétales monosaturées comme l'huile d'olive ou polyinsaturées comme l'huile de noix ou de pépins de raisin. Attention également à la présence d'huile de coco dans les produits transformés comme les biscuits industriels, dont la préparation passe par l'hydrogénation, un procédé qui transforme les matières grasses, y compris l'huile de coco, en acide gras trans, dont les risques pour la santé sont aujourd'hui bien affirmés. Elle a bon goût. Savoureuse, l'huile de coco serait intéressante pour la pâtisserie. L'important est de ne pas en abuser, car les acides gras restent des lipides qu'il faut limiter en quantité et intégrer dans une alimentation équilibrée. L'idéal reste de varier les huiles elles aussi, par exemple avec l'huile d'olive et de colza, d'autres huiles végétales reconnues depuis longtemps bonnes pour les artères, si l'on respecte la modération. Il est recommandé d'utiliser de l'huile de noix de coco vierge, pressée à froid et à sang. À ne pas confondre avec l'huile de copra fabriquée à partir de la chair séchée de la noix et à l'aide d'un traitement spécial. Souvent hydrogénée, elle est riche en acide gras trans et hélas largement employée par l'industrie agroalimentaire pour les pâtisseries industrielles, confiseries et fritures.